Salut, il est 6h35 et on va faire un tour de la piscine. Là, c'est là où on attend avant d'aller nager. Et on va aller voir la piscine d'échauffement. Ça, c'est la piscine d'échauffement où l'eau est super froide. Et là-bas, on voit où on en est dans la compétition. On va à la chambre d'appel. Donc c'est là qu'on attend pour aller nager. Donc il y a 4 piles d'eau. On a les séries qui sont en train de nager. Bon là c'est pas le cas. C'est ici que Louis s'assoit quand il stresse. C'est là qu'ils contrôlent les badges. On arrive ici où on attend encore ici. Une fois qu'on est là, on se remet tout pour qu'ils contrôlent les badges avec la tête. Et là, on arrive dans la piscine. Alors, il a oublié de présenter, mais ça, c'est le bassin de plongeon. Et ça, c'est le bassin de la compétition. Et quand on a fini, on ressort là. On peut voir ses temps et les temps des autres. Et la course en direct. Bon, moi j'ai échauffé. On pose nos affaires quand on arrive dans ce bac. Et quand on a fini de nager, comme par miracle, ben nos affaires arrivent ici. Et là, c'est les plongeons. Bon, bah eux, ils commencent qu'à 9h, ils ont de la chance, donc ils n'ont pas besoin de venir à 6h30 pour s'échauffer. Voilà, là c'est le bassin de compétition et moi je vais aller m'échauffer. Ici c'est le centre de nouvelles technologies, on va aller voir. Il y a beaucoup de réalité virtuelle. Alors on va faire de la plongée sous-marine. Qui essaie de nager à défaut de réussir dans le bassin. De la natation synchronisée. Et du water polo, être gardien de bus. Et autre chose très intéressante, ils ont réussi à faire des poissons. C'est fou la technologie. Loïc joue à Harry Potter à l'école des sorciers.
coming on top, no, yo. Là, c'est la scène sur le marketplace où il y a tous les événements. Alors, il y a de la K-pop, des spectacles de danse toute la journée. Bon, voilà, il se passe rien. Et puis là, c'est le food court. Alors, on va regarder 2-3 trucs à manger. Vous allez voir que c'est un peu grand. Et si on a une petite soif, on peut toujours s'hydrater au bar. Où ils vendent que de la bière. Mais presque pareil, à 25 secondes près. Là, c'est le bus Séoul avec le groupe de K-pop le plus connu de du monde, je crois. Et là, c'est un stand pour la Corée. On a plus de touristes. Ici, c'est le chemin qui ramène à la piscine. Alors, ils ont mis des brumisateurs pour pas qu'on ait trop chaud. Ah bah non, je sens rien. Alors là, c'est la piscine et on a un bassin d'échauffement extérieur. Allez. Et je tiens à préciser que Loïc a échangé un t-shirt joué natation contre celui-ci avec un argentin. Hi. Et donc voilà la piscine extérieure où l'eau est bonne et où Sean va se baigner de temps en temps. Et là, c'est le stade de water polo.